Ok, super. Bonjour à tous, MaspiroBlue76. On a plein de petites choses à faire aujourd'hui. Je vais essayer de mettre moins fort. Voilà. Et bonjour. Donc la difficulté. Enfin, on va commencer par un truc très joyeux aujourd'hui, très cool. Ça va être les fanarts. J'en ai reçu plein, plein, plein. C'est Inktober et il y a au moins trois personnes qui m'ont envoyé des fanarts et dont une personne qui m'en a envoyé deux. Tu vois, donc on y va. Donc en fait, le mieux quand, si vous faites des fanarts sur MaspiroBlue, c'est de faire de mentionner le compte Twitter comme ça, je suis au courant. Dans tous les cas, voilà. Faites-m'en part. Donc là, c'est Vertégrèze qui passe parfois sur le chan. Bah, elle a fait ce très beau fan art voilà, de fougère noire. Donc c'est super cool. On va appeler ça fougère noire. Voilà. On peut l'enregistrer autre chose que large? Non. D'accord. Ok. Alors. C'est un large, large. Oui, je veux le modifier. Hop. Je le mets dans les fan art. Voilà. Et ensuite, on va faire fan art. Donc là, ça va s'appeler. On appelle ça fougère, c'est ça, hein? Fougère. Alors, l'exploratrice Alia. N'ayant plus. Test, alors l'exploratrice Alia teste des champignons, donc goûte des champignons plutôt, des champignons à l'ombre d'immenses fougères noires. Alors, regardons ce que ça fait. Mets ça en ligne. Oui. Ah, c'était fougère noire. On va retourner un petit peu en arrière. J'ai envie de dire, n'allez pas tout de suite sur Fanart, mais bon, il n'y a personne, donc fougère noire. Ok, fan art. Peut-être je devrais faire un. Ah bah alors, je devrais faire un inverse, c'est-à-dire que je devrais faire en sorte que je devrais mettre les plus récents en haut. Bah alors, il me le trouve pas? Attendez, je le refais. Voilà. Oh, c'est beau. Merci Alia. Hey, ciao Chescu, ça va? Je viens de mettre un dessin de Alia, mais c'est pas tout, j'en ai reçu d'autres. Alors ça, c'était le premier. Ensuite, j'ai reçu un, je crois que sur le site de Chetty, il y a un autre dessin. Celui-là, c'était... Attends, c'était quoi? Mountains Scared. Ok, d'accord. Ça, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Je cherche un truc qui était Maspero, mais je crois que j'en ai vu un. Ça va vite, Maspero. Inktober, mais quoi, on est déjà. Ah non, c'est 2016 ça. Page 5 sur 5, c'était le livre. Il faut prendre les derniers, c'est ça? Non. Alors, faut prendre les plus récentes. Ah! T'as les pubs sur le matelas Casper, il y en a partout, quoi. Bah alors? Ça a disparu chez T, là. Tu me fais quoi? Attends, je reclique dessus. Elle me dit. Je scanne, il est là. Qui c'est qui essaie de me joindre? Il se passe quoi? Quelqu'un essaie de me skyper.
Bah, en fait, j'ai déjà reçu un CSS. Ah, bah, elle a fait disparaître, ça me fait de la peine. Bon, c'est pas grave. Bah, sinon, il y a quelqu'un qui a écrit Masbero Blue. Alors, je vais le chercher. Alors, j'ai quelqu'un qui. Alors, attends, je te montre. Tu vois, jusqu'où puis-je faire du CSS? Regarde. Ça, c'est déjà un truc en CSS, une feuille de style. Mais le problème, c'est que c'est pas encore figé. Donc, si on se fait chier à faire du CSS, ça va être compliqué, tu vois. Alors, parfait. Donc, attends, c'est elle. Ah, genre, donc il faut dire il plutôt, excuse-moi. C'est lui. C'est Yel, voilà. Alors, média. Donc, ça, c'est rien. Ça, c'est deux choses. Alors, ça, c'est quoi? C'est un napprier rouge. C'est parti. Alors, Maspero, FA. Des styles en ligne dégueu. Ouais, mais. Écoute. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vois que tu as envie de faire des trucs. Ouais, mais je sais pas, ça va peut-être changer encore. C'est dur, en fait, c'est un vrai métier. Alors attends, je vais l'appeler comment? C'est un apprier. Hein. Alors attends, l'apprier. Apprier rouge de Florin Zoli. C'est parti. Alors, apprier. J'ai bien appris aprié ou aprié rouge? Aprié, voilà. Aprié rouge par Florin Zoli. Et il y en a un autre. Merci Florin. C'est Agnès Scolora. Joli, hein? Oh là là! Merci, merci beaucoup, c'est super. Agnès, je vais l'appeler. Hein. Les nouveaux, je les fais maintenant en CSS. Les nouveaux quoi? Alors, tu vas bien, Ceausescu? Moi, avant, j'avais des petits soucis, et puis après, je suis tombé malade. Du coup, plutôt. Plus rien ne compte vraiment. Alors c'est Agnès Scolora. Scolora. On va l'appeler Agnès. Là c'est parti. Alors hop, je mets ça en ligne. Mais tu sais, si t'as pas envie de coder, code pas, détends-toi, fais des choses cool. Alors, moi je code pour le plaisir, pour me détendre. Ah, mais j'ai oublié le HR. Il y a le petit HR qu'il y a sous le div. Bim. C'est moche. Évidemment, si j'étais un type comme. Prenons comme Ceausescu, je ne ferai pas ça à la main. Je ferai un système qui uploaderait les images, qui mettrait tout en forme tout de suite, tu vois. Le problème, c'est que tant que j'en reçois qu'un par jour, ça vaut pas le coup. Voilà. Alors, c'est parti. Voilà, on a mis tout ça en ligne, c'est magnifique. Attends, je vais quand même leur envoyer un petit message. Alors, hop. Je vais mettre c'est mis en ligne. C'est mis en ligne. Merci beaucoup. C'est mis en ligne. Merci beaucoup.
Merci, Ebezoli. Follower Ebezoli qui est cool. Bonsoir Tibiou, ça va? Donc on vient de mettre en ligne des petits 3 fan arts, plutôt cool, Inktober d'explorateur de Maspero Blue, c'est fantastique. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a plein, alors on a plein de petits trucs dans notre petite checklist, mais regardons-la d'abord. Alors, les fan arts c'est fait! Voilà. Alors, nomenclature de renommage. Donc en fait, je vais mettre des toutes petites instructions au moment où on renomme les plantes. Parce que. Attends, j'ai un petit souci. Voilà. Pourquoi? Parce que pour que les gens ils mettent pas. Ils mettent pas n'importe quoi. Voilà. Ouais, des artworks, c'est cool, hein. En plus, franchement, ils sont beaucoup plus beaux que le jeu. Hein. Voilà. Donc, attendez. Je réfléchis. Ouais, ok, c'est bon. Alors. J'ai qui comme personnage encore vivant? J'avais qui? Ami Bolet, il est encore vivant ou pas? Je crois. Ami Bolet. Ami Bolet, ouais, parfait. Allez, c'est parti. Alors, Ami Bolet. C'était l'ami des champignons. Ok. Alors, là, quand on renomme des roches inconnues, je creuse la terre, donc, et je trouve une roche de couleur incolore. Donc là, je vais lui donner un nom. Strate cristalline, par exemple. Un éclat de strate cristalline. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est. Donc, c'est dans renommée. Il y a renommage et renommée. Voilà, alors c'est là, c'est ça. Donc là, c'est. Putain, je l'ai mis dans un table en plus. Forme. Alors. On va appeler ça. Comment j'appelle ça? Conseil de nommage. Conseil pour l'attribution d'un nom. Un nom, 2 points. Nommer, donner un nom au singulier, un nom au singulier et sans article, et sans article. Conseil, alors on va juste mettre conseil. Donner au singulier et sans article. Est-ce que les gens comprennent sans article, ça veut dire sans le là? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? Donc là, on va mettre hop et même un petit U. Regardons. Attends. On est un nom singulier. Ok, on va quand même sauter une petite ligne. Ah là là, si j'avais. Attends, ça c'est quoi? C'est des plantes. Ah, c'est le nom de l'endroit, parfait. Non, ça c'est bon. On peut donner n'importe quel endroit. Donc là, on va faire les plantes. Testons. Alors, je mets en ligne, excusez-moi. Alors, c'est moins ambitieux que ce que j'aurais voulu, mais. C'est quoi la sauvegarde auto-FTP? Je ne sais pas ce que tu veux dire.
Qu'est-ce que c'est-à-dire que je. Ah, tu veux dire, oui, le fait que quand je sauvegarde, ça met en ligne. Alors, j'ai essayé et j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé, je suis désolé. Je sais pas comment faire. Et franchement, on s'est rencontrés, tu m'as expliqué. Je suis rentré chez moi, je me sentais invincible et j'y suis pas arrivé. Parfois, on n'a juste pas la force, tu vois. Alors, je donne un nom. Donner un sanglier, un nom au singulier et sans article. Ok. Ok, bah ça marche. Bon, bah c'est parfait. Allez, donc ça, non. Ça, la source, oui. Les champignons, oui. Les roches, oui. L'animal, oui. Le poisson, oui. Le repère, ça n'existe plus. Alors, un nom, il n'y a pas besoin. Et le village, non plus. Voilà qui est fait. Hey, Diswan, ça va bien? Ok, Google tweet. Bonjour, Diswan. J'aime bien le tweeter par la voix parce qu'il dit Diswan. Ok. Alors, chenille bleue profond. Donne un nom à une chenille bleue profond. Ok. Bon, bah, c'est pas très beau, mais ça fait le job. Ok. Alors, j'aimerais faire un truc un peu cool ce soir avec vous. Mais l'air super motivé. Ouais, ça va bien. Alors, j'aimerais faire une description. Une description des villes. Comment dire? Aujourd'hui, quand on est dans une forêt et qu'on trouve un campement, il dit, enfin, vous êtes dans la forêt, il y a un campement, tu vois. Et en fait, j'aimerais que suivant la nature du lieu, on explique. Par exemple, si on est sur une plage, ça peut être un campement sur pilotis, tu vois. Donc, ça peut être. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. C'est un peu cosmétique, mais je trouve que c'est mignon. Moi, ça me plairait bien. Tu vois. Alors, attends, je regarde juste. Voilà. Bonjour Diswan, voilà. Bon, je vais arrêter de toute façon. Twitter, on n'en a plus besoin. Donc, il faut que déjà que je revienne. Alors, un maquis sur des collines. Non, je. Bon, c'est quoi? Cet animal, la chenille bleue. Azur rampant. Ok. Un azur rampant. Ok. Donc c'est peut-être le nord. Voilà, le campement. Donc là, je suis dans un maquis. Donc en fait, au lieu de marquer là, j'aimerais mettre c'est au cœur d'une clairière se trouve un campement. Tu vois. Du coup, je vais. C'est dans description village. Gestion village. Il est où? Parfait. Donc là on entre, non même pas. Donc là se trouve. D'accord, c'est pas là. Est-ce qu'il y a un cours d'eau? Non. Ah, c'est bien. Un campement. Voilà, là se trouve et là village. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la nature du village. Et là, on va le faire dans un maquis. C'est dans gestion net. Ah, gestion repère peut-être. Regardons gestion nature. Non. Je sais, ouais, j'ai le temps de lire parce que c'est assez ouvert. Peut-être la réponse est dans ce fichier-là. C'est gestion lieu, bien sûr. Voilà.
Ça fait un quart d'heure que j'ai cette musique en boucle, c'est horrible. Ok, Google suivant. Voilà, Google s'est déconnecté de Netflix récemment. Je suis hyper hyper vénère. Alors, donc là, vous voyez, il y a les biomes. Donc, on va dire, donc, du coup, on va appeler ça début village. Donc, à quoi ressemblerait un campement dans un désert glacé ou une ville dans un désert glacé? Un désert glacé, donc imaginons un désert glacé. C'est un désert et il fait froid. D'accord. Au milieu. De dunes de glace se trouve. C'est ça en fait l'idée. Donc un plateau gelé. Donc un plateau gelé, c'est de la rocaille, c'est ça? Entre les rochers froids. Ok. Ensuite, des rocailles. Donc, imaginons. Des rocailles. Creusées, alors. Dans des cavernes. Creusées, dans le sol. Se trouve un campement. Donc ensuite, une savane. À quoi ressemble une ville dans une savane? Une savane, c'est entouré de baobabs. Qu'est-ce qu'il y a dans une savane? Il y a des savanes. Dépassant fièrement les hautes herbes, se trouve une ville. Ensuite, un désert de sable. Caché dans les hautes dunes de sable, se trouve une cité perdue. Ensuite, une toundra. Alors, une toundra perdue au milieu de nulle part se trouve. T'as une steppe. La différence entre la toundra et la steppe. Au creux d'une colline. Isolée. Ensuite, une lande. Une lande. Comment on peut dire ça? Une lande, c'est genre de la bruyère, tu vois. Tapis dans la végétation, se trouve un campement, un maquis, dans une clairière, sèche, ok, et ensuite un désert de roche. Vous m'aidez pas trop, hein. Je galère grave. Si vous avez des idées meilleures pour, en fait, je cherche. Si vous pouvez m'aider, des façons d'implanter une habitation ou un village dans un biome, tu vois. De façon classe, tu vois. Un désert de roches, donc on peut imaginer dans un
Comment dire, ça peut être dans une falaise sculptée, quoi. Dans une falaise sculptée. Voilà. Alors le permafrost, c'est dans un trou creusé dans la glace. Une forêt. Dans une clairière. Dans une large clairière. Et accueillante clairière. Ok. Ensuite, dans une prairie. C'est la teuf. À quoi ressemblerait une maison dans une prairie? Attends, j'ai mis au milieu de dunes de glace, mais il n'y a qu'une seule glace. J'ai faim, c'est le régime. Alors, dans une prairie, donc on imagine une prairie, des purs sangs rouges dans la prairie, et des tipis au loin. On va dire tapis dans la. Ah mais putain, je galère grave. Hein. J'essaie de deviner. Ok, et this one. On est dans une prairie. Il y a une ville qui est là. Elle ressemble à quoi? Elle est située comment par rapport à son environnement? Elle est au bord d'un fleuve, d'accord. Elle est. Une prairie, c'est plat. Au milieu. De cette étendue. Ok. Une pampa. À l'abri du vent. Il y a beaucoup de vent, hein. Entre les grands arbres. Une brousse. Putain, la brousse. La différence entre la brousse et la savane, il faut se lever tôt. Hein. Une brousse. Là encore, c'est à l'ombre d'un arbre immense. Ensuite, une taïga. Au cœur d'une immense forêt. D'une immense forêt froide. Une tourbière, putain. Consolidé sur un rocher, un grand rocher s'extirpant de la tourbière, s'extirpant de la terre humide. Voilà. Un bocage. Alors, un bocage, c'est des champs. C'est des champs. Enfin, c'est une étendue séparée par des petites. On va dire. Au milieu. Au carrefour des routes. Des routes. Un carrefour de chemins abandonnés. Voilà. Au milieu des champs se dresse une demeure. Ouais, mais en fait, après les champs, tu vas les créer, tu vois, dans le truc. Donc, ça. Mais merci de ton aide. C'est même une aide médiocre, je prends, tu vois. Alors, une.
Donc là, dans la jungle, tu vois. Haha, à quoi ressemble un village dans la jungle? Dans une clairière dominée par une végétation pressante, une végétation oppressante, se trouve, ok, au pied de l'oasis. De l'oasis au pied à l'ombre rare des quelques arbres présents se trouve voilà. Alors ensuite un inlandsis, donc taillé dans un glacier, dans une caverne de glace bleue taillé dans un glacier. Ouais, tout de suite, ça a un petit peu de classe. Tu vois, on avait genre une tente là maintenant. Alors, quel genre de village? Ben, en fait, justement, c'est un village évolutif. Ça va être un petit campement, mais après, tu peux l'upgrader en genre en palais, tu vois. Donc, pour ça, ce qui est cool, c'est que tu te balades. Ben, un Inlandis, c'est une sorte de banquise. Donc, tu es sur la banquise et là, tu vois une caverne de glace et dedans, il y a genre trois tentes. Et tu vas peut-être faire toute ta vie. Et un jour, il y aura des palais, tu vois, là-dedans. Un bois marécageux. Sur des pilotis. Surplombant le marais. Le marais. Donc là, oui, il y a des pilotis, c'est cool. Ça, tout de suite, on a. Enfin, tu vois, demain, on va faire une maison. Si la maison elle est sur pilotis ou pas, tu vois des trucs, tu vois, tu imagines des trucs cool. Une odeur pestilentielle de pourriture végétale. Donc ça c'est quoi? Un vrai marécage, ok. Donc là, sur des pilotis, construits sur des pilotis, sur des pilotis, et des grosses racines. Émergeant du marais se trouve, voilà, etc. Une mangrove. Aha. Là, ça va être dans les arbres carrément, tu vois. Dans les arbres. Construit dans les arbres. Et du coup, on va pouvoir créer des palais dans les arbres, tu vois. En fait, c'est juste, c'est rien, c'est juste une phrase en plus, mais ça peut tout changer, tu vois. Construit dans les arbres. Une lagune. Surélevée, par des pilotis et des rochers. Se trouve, blablabla. Donc là, elle est dans une cuvette. Ok. Bon, bah, ok, c'est bon. Alors, oulala, donc ça, attends, ça c'est bon. Ah, gestion village. Donc là, on va mettre début village. Et regardons ce que ça donne. Alors ensuite, je regarde. Dans une clairière sèche se trouve un campement bolet. Enfin, c'est pas énorme, mais je vais essayer d'en trouver un autre, tu vois. Cac-cac-cac-cac-cac. Allez, on va en trouver un autre campement quand même. Quand même.
Ah, la rive d'un océan. On va aller vers l'est. Une taïga. Ah non, merde, je pouvais aller vers le sud. Allez! Putain. Ok. Eh ben, alors attends. Je peux aller vers le sud ou vers le nord? Voilà, je retourne vers le nord. C'est relou. Ah. Je suis en petite forme, hein. Je vais manger une noix là. Ensuite, on va aller vers l'est. On va y arriver ou pas? Ah! Ah, mais ça marche pas là. Pourquoi ça marche pas? Un Islandis, je devrais avoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça ne marche pas. Pourquoi? Bon, déjà, y a un orage de neige, ce qui fait un peu chier. Inlandis, regardons. C'est dans. Je peux en fait tester. Hein. Alors, dans gestion de nature, on n'a pas besoin. Ça non plus. Est-ce que j'ai des biomes aquatiques? Bah en fait, on a les océans et les sources, et les rivières. Voilà, c'est ça. Alors, Inlandis. Passe ça dans une caverne de glace. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne marche pas? Il ne marque pas. Je ne l'ai pas sauvegardé. On le refait. Marrant ça, il refuse de le. Ah, peut-être, attends, je sais pourquoi. Parce que c'est un campement inconnu. Tu vas voir. Voilà. Par contre, il n'y a pas encore des choses sous-marines et j'aimerais bien, ça va se faire, hein, bien sûr. J'aimerais aussi traiter des cavernes. Genre, tu rentres dans une caverne et tu ressors et tu ressors dans un endroit étrange. Tiens, je vais le noter, ça serait cool. Ça me plairait. Caverne. Et il peut y avoir aussi, genre, des. Ça permet de traverser les montagnes parfois, tu vois. Donc là, je regarde, dans une caverne de glace bleue taillée dans un glacier se trouve un campement inconnu. C'est beau! On va l'appeler sous terre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans sous terre? Il y a une tente. Voilà. Bon, pas grand-chose. Par contre, il faut que je me casse d'ici. Voilà. Oh, putain, l'orage de neige. Un nouveau campement inconnu là. Mange ma dernière viande du roi Héron là. J'ai trouvé un autre campement juste pour le fun. Hein. Allez, mange! J'ai un homme gigataupe. Hein. Ah! Au milieu de cette étendue se trouve un campement inconnu. Oh bah c'est bien, ça marche. J'ai déjà sommeil. Parce que j'ai mangé. Oula, ça va pas du tout. Je sais pas si vous avez vu.
très mal en point, je vais mourir. Ok, je suis encore en vie. Ah oui, je peux manger un mort. Champignon magique. On essaye de se guérir. Bon, on verra. Allez, ça marche, c'est fait, on est content. C'est fun, on l'a fait. Ok. Alors, tiens, bah justement, la variation de points de vie en fonction de l'endurance. Ouais, c'est déjà fait. Tu vois, en fait, regarde. Alors, c'est plus ou moins fait, mais en gros, de temps en temps, enfin, là, on est dans la savane. En fait, chaque biome a une température et un degré d'hygrométrie. L'hygrométrie permettant à la fois de déterminer la présence de sources et puis de champignons et puis aussi du. En fait, pour être plus précis, c'est au fur et à mesure que tu avances, la température varie et l'altitude varie. L'hygrométrie varie. Et en fonction de toutes ces intersections, tu as un biome. Par exemple, là, on est dans la savane, sur un haut plateau, donc l'altitude, elle est élevée. Et savane, ça veut dire qu'on est plutôt sec. Enfin, on est plutôt sec et plutôt chaud. Voilà. Mais sans que ce soit à fond, on n'est pas dans un désert de là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de champignons, là, tu vois. Par contre, on est dans la savane, on a des petits, tu vois, on a des choses qui ne sont pas très élevées, des fougères, des choses comme ça. Et il y a un petit animal. Voilà. Tandis que si je vais là, tu vois, là, c'est un désert de sable. Et là, il y a une tempête de sable qui s'est levée, tu vois. Alors que je suis dans un désert de sable et que, tu vois, c'est en rouge, je suis en train de perdre des points de vie. Je vais mourir, probablement. Même pas. Ok. Donc, bon. Une lande. Voilà, une lande. Tapis dans la végétation se trouve un campement inconnu. Voilà, parfait. Donc, mais en plus, on peut commencer avec des. Bon. Alors là, je vais faire la variation de point de vie en fonction de l'endurance. Donc. Souvenons-nous, nos joueurs, on va aller dans la base de données, nos joueurs ont non seulement des points de vie, mais aussi des capacités. Héros, le voilà. Alors, par exemple, prenons Agenio. Il a une apparence de ça. Alors, par contre, je ne me souviens plus trop comment ça fonctionne. Donc, prenons plutôt notre ami Bolet. Donc c'est dans Création New. Hein. New Complete, c'est ça, voilà. Donc là, on récupère cheveux et la bio. Voilà, donc l'apparence, c'est le genre, les cheveux, les yeux. Donc attends, je vais copier le ami Bollet. Je prends celui de l'ami Bollet. Donc, notre ami Bollet, c'est un homme qui a des cheveux 1, des longueurs de cheveux 1, des yeux 1. Et là, c'est ça, il a une force de 5, une endurance de 5. Une dextérité de 5, une intelligence de 5 et un charisme de 5. Ok. Donc, on va noter que. Attends. Le genre, alors, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Alors, la force, c'est le 4. L'endurance, c'est le 5. La dext, c'est le 6. L'intelligence, c'est le 7. Et le charisme, c'est le 8. Par exemple, le charisme va intervenir dans on va dire le fait d'être gentil avec les gens. Donc, donc la variation de point de vie, ça. L'endurance, effectivement, c'est la variation de point de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Je vais noter quand même des choses. La force, ça influe sur quoi? Je sais pas.
Sur quoi peut influer la force? Je ne sais pas, étant donné qu'il n'y a pas de... Hein. La dextérité, pareil. Je ne sais pas à quoi elle pourrait servir. Peut-être... Ok. L'intelligence. Sur quoi peut influer l'intelligence? Peut-être l'intelligence, c'est un peu comme la perception. Intelligence, elle peut donner une idée de la dangerosité des... Ah, la force, c'est une bonne idée, putain! This one, c'est une super idée. Ok Google, tweet, This one a une très bonne idée. Alors, la force... Force, nombre d'objets transportés. Transporter, c'est une super idée. Et le charisme, c'est négo avec les habitants. Peut-être la dext, ça va être quand on veut chasser. Dext, chasse et évitement. Ok. Et Vertegrès, ça va? Tu peux... On a ajouté en tout début de session ton superbe artwork en fan art. Je vais même le renommer puisque le montrer puisque tu es là. Tada! Regarde ça, c'est beau, hein? Ça, c'est Vertegrès, les gars. Alors. Bah écoute, c'est super. Ces idées-là sont super. Donc du coup, je vais même les mettre là. C'est un petit peu genre les stats du jour, tu vois. J'aimerais faire un système de cicatrices au-dessus, tout simplement. Voilà. Et ouais. Non, mais c'est toi qui dessines bien la classe, Vertégrèze. Alors, on revient sur nos points de vie. Je crois que j'ai fait une fonction qui gère les points de vie. Mais alors... Alors, c'est quoi? Chaîne objet, description maison... Fonction utile. Petit, je, ah, c'est dans dollars que j'ai mis les points de vue. Tout à fait, c'est normal. Voilà. Donc là, update héros. Santé égale plus à la santé. Donc. Ah merde. Si. Donc là, c'est quoi? Si la santé est inférieure à. What? Ah oui, il faut que santé soit. Mais pourquoi j'ai fait 2K? Je suis con, quoi. Bref. Ah, c'est gentil, Vertégrès, mais déjà c'est vraiment très beau et c'est en plus on voit bien les grandes fougères noires et c'était une belle rencontre en plus. Ouais, la fuite pour la Dex, c'est une bonne idée. Donc on va là on gère les points de vie. Donc je devrais peut-être mettre à jour j'ai mis quoi en... un truc là, nomenclature. Bah on va mettre ça à jour quand même. Endurance et points de vie. Donc, réfléchissons. Donc là, il faudrait que j'aille chercher. Ça me fait un peu chier, mais ouais. Donc, select. C'est bien apparence, je regarde. Ouais, apparence.
Apparence from hero. Where id égale id. Apparence. Donc là, je récupère l'endurance. On va appeler ça endurance. Ce qu'on va faire peut-être après, à terme, c'est des fruits qui permettent de modifier aussi les stats. Ce serait cool. Là, je vais le noter aussi. Genre un fruit méga rare, tu vois. Donc l'endurance, c'est, comme on l'a dit, apparence 5. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc plus cette valeur est élevée, moins on perd de points de vie. D'accord? Et quand on a une... on pourrait faire en sorte que quelqu'un qui a beaucoup d'endurance... Quelqu'un qui a beaucoup d'endurance ne gagne pas aussi beaucoup de points de vie, tu vois. En gros, il a plus d'inertie dans sa. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Je réfléchis. Je vais dire que HP égale. Donc, ça, c'est les points de vie. Positifs ou négatifs sont multipliés par l'endurance fois 2 fois 0,2. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc fois 1,2. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je dis? Donc testons. Imaginons que j'ai une endurance de 5. 5 fois 0,2, ça fait 1. Donc ça veut dire que c'est normal. Ok Google, 5 multiplié par 0,2. 5 par 0, 2 est égal à 1. Ouais, c'est ça. Donc 6 et 5. Maintenant, imaginons que ce soit 6. Ok Google, 6 par 0,2. 6 par 0,2 est égal à 5. Quoi? 6 multiplié par 0,2? Ok Google, 6 multiplié par 0,2. 6 par 0, 2 est égal à 1,2. Ouais. Donc en fait, si on est à 6 déjà, la variation augmente de 20%. Ce qui va bien parce que, en fait, c'est l'inverse qu'on veut. On veut que HP, la variation diminue. Donc... Je sais. Un système d'encombrement qui joue sur les... Non, je vais. On va juste mettre la force en encombrement. Alors. Bon, j'ai du mal là. On voit que j'ai plus de calories le soir. Hein. Je suis dead de chez dead. Je veux que plus la valeur d'endurance augmente, plus la variation de HP est faible. Donc, plus cette valeur-là est grande. Donc en fait, on va faire... Donc ça va être divisé par l'endurance en espérant que ça ne passe pas à 0. On va même mettre round. Remarque, est-ce qu'il y a besoin de round? Pas besoin parce que la base de données elle est déjà en chiffre entier. Alors, endurance, donc on la divise par l'endurance. À part que là, c'est un petit peu chaud quand même, parce qu'on le divise par 5. Donc, imaginons que j'ai une endurance de 1, je suis très faible. Donc 1 divisé par 5,
C'est-à-dire que c'est un peu ça. Ah putain, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique-là? En gros, j'ai une variation de plus 20, puisque je viens de manger un champignon. Et j'ai 5 en endurance. Donc là, si j'ai 5 en endurance, je gagne 20. Maintenant, imaginons que j'ai 6 en endurance. Ok Google, 6 divisé par 5. La réponse est 1,2. Ok. Ok Google, 20 divisé par 1,2. La réponse est approximativement 16,667. C'est-à-dire que là, on gagne 16 ou on perd 16 quand on doit gagner 20. Donc maintenant, imaginons que je sois un faiblard, j'ai une endurance de 3. Ok Google, 3 divisé par 5. La réponse est 0,6. 0,6. Ok Google, 20 divisé par 0,6. La réponse est approximativement 33,333. Là, ça veut dire que... voilà. Bon, ben ok. On va garder ça. On va garder ça en principe. On va tester ça. On va créer un héros qui est très faiblard. Très faiblichon. On va tester. Voir si c'est... Alors, on se délogue. On se délogue naturellement. Nouvelle partie. Notre héros s'appelle Faiblard. Test. Ce sera un homme. Alors, il est faible. Il est alcoolique. Il a perdu quelques doigts. Il est divorcé, non. Il a plusieurs voitures, c'est sûr qu'il est bête. Il aime jouer aux fléchettes, non. Ok, il a un spinner avec lui parce qu'il est vraiment très con. Alors, qui est Faiblard, un homme au destin extraordinaire? Non, il est normal en fait. Ah, ça fait chier, attends. Ah, on va l'appeler Molasson. Ok. Alors, Molasson est en manque de sommeil. Chef d'équipe dans le bâtiment. Prisonnier dans un camp de travail, c'est pas mal. Il faudrait que j'ai prisonnier dans un camp de travail et... genre, il est né à côté d'une... Attends, on a fait des trucs, hein. C'est fou. En manque de sommeil. Allez! Un survivant d'une épidémie. Ah putain, mais. Oh, tu sais quoi? Attends, je la refais. Reprends une partie. Je vais reprendre Faiblard. Ok. Et je vais l'altérer à la main. Éditer. Donc, son apparence, elle est là. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est sa force. 5. Oh, il est encore moins faiblard que. Donc, je lui mets 2 en. Il est vraiment en faiblard. Ok. On va essayer de manger une chauve-souris, ça vous va? Chauve-souris rouge. Ah non, mais elle est méchante. Et des fruits, ah, fruits. Capuchon. C'est un groseillier timide. Ok. J'aurais dû dire Poudica. Allez, on va le manger, voir ce que ça fait. Le fruit n'est pas bon. La tête nous tourne. Alors, attends. Déjà, Faiblard, il en est à où là? Il a perdu combien de points de vie? Santé, j'ai perdu 7 points de vie. D'accord. Alors que normalement, je devrais en perdre moins. Ok, on va voir un petit peu. J'essaie de rentrer dans un endroit où c'est un peu dangereux. Alors, pas une tempête ici?
Ah, une tempête de sable. Ah ouais, tout de suite, petite forme. Alors attends, il en est où? Ouais, tout d'un coup, c'est pris. Ok, ça marche. Bon, bah c'est cool. Ça marche, on l'a fait. Alors voilà, c'est quoi? 95 plus endurance fois 20 plus niveau fois 5. Eh oui. Ouais, mais... Non, ouais, mais c'est un peu ça en fait. Non, mais là, on a fait un système qui est un petit peu différent, mais en tout cas, c'est fait. Pas son point de vie. Endurance, c'est fait. La force, c'est le nombre d'objets transportés. Ben, c'est cool ça, c'est chouette. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'en prendre, c'est le verbe parler. On a prendre là, tu vois. Donc là, c'est le nombre d'items. En fait, ça c'est le nombre maximum d'items. Et nous, on peut en prendre plus, tu vois. Donc, première chose qu'on va faire, c'est on va chercher. C'est avec longitude apparence. From euro. Apparence égale 2. Et du coup, on va appeler force égale apparence 4. Donc là, on a la force. Et là, c'est la très belle idée de DisOne. Je vais le noter. Belle idée de DisOne. Merci encore. Donc là, alors attends, hop. C'est pas n'importe quoi. Donc, la limite max d'item, en fait, limite max est égale à apparence, donc à force, plus 5. C'est-à-dire que si qu'on en a un en force, on peut avoir 6 objets. Et si on a 10 en force, on peut porter 15 objets. Du coup, voilà. Donc. Ok. Donc là, je tente. On va modifier notre faiblard là, éditer, et on va lui donner. Donc je vais donner. Voilà, on va lui donner une force surhumaine de 9. Allez. Donc il peut porter 14 objets. On va tester on va tout ramasser. Ramassons. Oh là là, il faut sortir de la tempête de neige, par contre, de la tempête de glace. Voilà. Retourne vers le nord. Est-ce que les axolotls, on peut les ramasser ou pas? Ouais, il va fuir. Allez, les roches, on va creuser. Pierre précieuse de couleur brun foncé. Isocaèdre, elle est éternelle. Dévin éternel. Allez, on va la ramasser. Il y a de nombreux gisements, mais c'est parfait. Allez, c'est parti. 1, 2, alors j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends. Ah oui, c'est pas pareil. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que la limite, elle est aussi dans un truc qui s'appelle prendre new. Le voilà. Donc voilà. C'est un autre type d'objet. En fait, c'est surtout des objets qu'on jette à terre. Alors, je vais continuer à prendre un des peu de dévin. Voilà. Là, je peux. Alors, on va essayer d'aller au max. Voilà. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça marche. Et ben c'est cool. Merci Diswan encore pour cette idée super coolos qui a été facile à mettre en œuvre en plus. Alors la chasse et l'évitement, ça me semble un petit peu relou. L'intelligence, c'est pas mal. Peut donner une idée de la dangerosité. Alors.
En fait, chaque fois qu'on regarde une. Ouais, chaque fois qu'on a un fruit, on peut le sentir. Et si on est intelligent, on a une chance pour que ça ait l'air dangereux ou pas. C'est intéressant, mais ça, c'est. Ok, on va continuer comme ça. Je pense fatiguer un peu. J'ai le regret de vous dire que demain, on ne pourrons pas. Ouais, c'est ça exactement en fait, This One. C'est l'idée, c'est que. En fait. Donc tes points de vue, tu les retrouves en mangeant des choses, tu vois. Par exemple, en mangeant un axolotl, tu vois. Mais tu sais pas si c'est un bien ou pas. Écoutez, je sais que, vous savez, je suis pas en très grande forme en ce moment. Là, je vais devoir arrêter. Je me sens encore fatigué. Qu'est-ce que je vais vous dire? Demain soir, j'ai un rendez-vous. Donc on pourra pas se voir. Enfin, peut-être que je ferai pas de maspero. Par contre, après-demain, j'ai aussi un rendez-vous, mais je commencerai un petit peu plus tard. Et là, ce qu'on fera, c'est on fera justement l'intelligence, la dextérité, tout ça. Voilà. Je suis désolé pour ma fatigue actuelle. Vous avez été cool ce soir, et This One, tu m'as donné plein d'idées. Je vais pas vous quitter quand même sans une blague de Google. Je mets un peu plus fort comme ça, vous allez bien pouvoir l'entendre. Et on se voit demain. Sinon, je vais m'endormir. Ok Google, fais nourrir. Une blague, c'est parti. Quelle est la monnaie de la mer? Le sou marin. Le sous-marin, merci, allez à demain, salut.